Je remercie encore Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi et ma famille. Le témoignage vient au niveau de mon père. Les gens qui disent, mon père s'est séparé, ma mère, il a déjà 3 ans, 4 ans. Déjà mon père, quand il avait eu des problèmes en état de ma mère avait dépensé tout son argent dans son compte bancaire pour subvenir aux besoins de mon père. Mais après ça, il s'est séparé avec ma mère pour aller prendre une femme. Ma mère a dit, ok, d'accord, c'est pas un souci. Tout ce que j'ai fait pour toi, Dieu sait qui va me rendre ça. Mon père est parti, et en étant parti, donc quand il a déserté la maison, il n'avait plus aucun produit à nous vendre, même nous appeler, nous ses enfants, il n'appelait plus. Même quand tu appelles mon père, c'est comme si vraiment vous avez eu des problèmes, même ton enfant, quand tu appelles ton père, il te répond d'une façon comme si il y avait des problèmes. On a peut-être fait 2 à 3 ans, notre père ne nous appelait plus, on ne parlait plus. Même en route, tu peux te voir avec ton père en route, il passe à vous. Comme si vous avez des problèmes. Ah, on avait vu le responsable sur le temps, il nous avait demandé de faire le fan. On avait fait le fan pour lui et pour nous. Mais tout ce que Dieu fait est bon, pourquoi? Parce que vraiment, j'avais une colère envers lui, une douleur. J'avais dit à ma mère, et même si mon père meurt, je ne vais jamais aller voir cet homme. Ma mère m'avait dit non, laisse, nous sommes bien avec le bal, un enfant avec le bal, il ne passe pas comme ça. Il y a ma mère, elle m'a donné aussi, même si nous sommes avec le roi, nous sommes faits de chair. Elle m'a donné, on peut succomber. Moi, je ne vais jamais aller voir sa tombe. Vraiment, la colère était de 2 à 3 ans. Mais Dieu a retourné cette colère, c'est pour Dieu quoi. Que la volonté des hommes n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a retourné cette colère en quelques secondes. Hier, on était à la maison avant de venir à la répétition. Il nous appelle. Et tournez, notre père nous appelle. Il nous appelle. Oh, je sais les patients, vous restez où? Ils ne connaissent même pas où on reste. Même notre père ne connaît pas où on reste. C'est grave. Il nous appelle, il nous fait comprendre qu'il est les patients, il est en train de nous voir. Nous sommes d'abord de prier et ah, c'est pas un plan. Bon, on met la face devant Dieu. On s'est vu, il vient à la nuit, il nous a vu, il a vu ses bénéfices, il nous a vu. Il était vraiment en joie. La joie qu'il avait, c'est comme si c'est quelqu'un qui quittait la France. Quand quelqu'un est en France, c'est grave. Hein. On s'est dit là, on était content, vraiment, on riait. J'avais une colère depuis 2 ans, 3 ans. Mais hier, la façon que j'étais content de voir mon père, c'est des choses liées à la colère, toutes les mauvaises paroles que j'avais données. C'était pour dire par là que la volonté des hommes n'est pas la volonté de Dieu. Amen.